Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, vidéo totalement inédite, c'est les rushs de la Vape Expo. Vous savez que la Vape Expo a eu lieu sur Paris en septembre 2017, je vous rappelle. Et j'ai enfin eu les rushs de l'interview que j'avais effectué. En ce temps-là, je venais de passer les 1000 abonnés à la Vape Expo. Je l'avais passé avec vous, il y avait quelques grandes personnes. Et voilà, je voulais tout simplement vous partager tout ça parce que pour moi, c'était ma première grosse aventure en partenariat avec Liquideo, donc c'était eux qui m'avaient permis d'aller à la Vape Expo, de faire les interviews, etc. Alors, grand merci à eux. Également, grand merci à vous, parce que les interviews ne se seraient jamais passées, le rendez-vous à la Vape Expo non plus. Tout ça, c'est vraiment grâce à vous, grâce au petit bouton abonnement, grâce à vos commentaires, à vos likes et surtout à votre soutien. Alors, merci du fond du cœur. Depuis septembre à maintenant février, on est presque 3000. J'ai fait presque une évolution de 2000 abonnés en quelques mois et c'est de plus en plus génial. Alors qu'est-ce que ça va donner concrètement à la Vape Expo de Lille? Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur de votre soutien, de tout ce que vous faites pour moi, tous les commentaires, tous les messages en privé, etc. Merci du fond du cœur. J'arrête de parler, je vous laisse directement avec mon interview de la Vape Expo. Je vais parler du contenu de ma chaîne, des liquides de chez Liquideo qui étaient sortis à la Vape Expo de Paris. Je vais parler un peu de ma chaîne, un peu de moi, un peu de tout ci, un peu de tout ça. Et je vous laisse concrètement avec tout ça. Vous verrez, il y a quelques moments de malaise parce que je parle anglais, parce que la personne qui m'interview essaye de faire une blague pas trop drôle. Donc vous allez voir un peu tout ça, c'est assez drôle. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous. C'est bon, t'as rejouissé? C'est bon, c'est rejouissé. Rejouissé, c'est comme ça qu'on rejouissé. Bon, alors, comment ton prénom, c'est quoi? Alors, moi, c'est Théo. Dans la vraie vie, je m'appelle Théo, mais sous le pseudo Mavap and Die. Mavap and Die. Mavap and Die. Pour Mavap, parce que bah, c'est Mavap. Et Die, c'est do it yourself. Donc, c'est fais-le toi-même. Et ça, c'est le nom de ta chaîne YouTube? C'est le nom de ma chaîne YouTube. Alors, Théo, t'as 18 ans, ça fait combien de temps que tu vapes? Alors, concrètement, j'ai commencé en étant mineur. Je sais que c'est interdit, mais j'ai commencé en étant mineur. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Concrètement, les vidéos, j'ai dû commencer. Tes parents étaient au courant? Mes parents, mais non, mes parents étaient pas du tout au courant. Mes parents étaient pas du tout au courant. Je leur en ai parlé il y a 2 ans de ça, du coup. Alors, tu fais tes propres liquides? Alors ouais, je fais mes propres liquides. Ce qu'on appelle le do it yourself. Donc on achète un arôme en magasin. On achète une base. Donc c'est du propylène glycol et de la glycérine végétale, ce qui sert globalement à faire le liquide, tout simplement. Et on va mettre en place le steep. Le steep, c'est on va laisser fermenter tout simplement et à la fin on obtient son dye. Bon, là t'étais en train de juicer des liquides de chez Liquideo. Ouais, voilà, des liquides déjà préparés. Des liquides déjà préparés, on est sur le stand Liquideo avec Théo donc. Théo, 18 ans, ça fait 2 ans que tu vapes et ça fait combien de temps que t'es sur YouTube? Parce que Théo il a du coup sa chaîne YouTube. Alors, ça fait... Ah, ça doit faire un bon petit 3 ans quand même. J'avais commencé mes vidéos tout en étant mineur évidemment, mais voilà, je me faisais pas mal critiquer donc j'avais arrêté. J'ai repris il y a 2 ans, mais réellement, en mettant tout en œuvre, donc mon sérieux, ma façon de présenter, etc. Et toujours en gardant ce côté jeune, vu que j'ai 18 ans, je suis jeune, ce côté dynamique, surtout de présenter un produit. Et c'est ce qui, à première vue, plaît à pas mal de personnes. Alors, t'es suivi par combien de personnes sur YouTube, Théo? Alors, à l'heure actuelle, je suis suivi par 1150 personnes. Quand même. Sur la chaîne, redonne-moi le nom de la chaîne. Mavap and Die. Mavap and Die. Donc, ça veut dire ma vape à moi et mourir. Non, ça veut dire concrètement, fais-toi ta propre vape. Parce que Die, do it yourself, fais-le toi-même. Donc... Ah, Die, do it yourself, d'accord. Voilà. Donc, c'est fais ta vape, mais en Die. Donc, c'est fais ta propre vape à toi. Ne suis pas les gens qui disent « moi je vape sur ça ou ça », c'est ton instinct, c'est ton corps. Rien à voir avec « die » de l'anglais « mourir », ouais. Je suis une bille en anglais aussi, hein. Théo, t'es venu avec un boîtier assez particulier, c'est le genre de truc que tu présentes sur ta chaîne YouTube? Ouais, totalement. Il est assez sympa, moi de loin j'ai cru que c'était un truc de Star Wars, hein. Non, on peut penser à quelque chose de Star Wars, mais non. C'est globalement, oui, ce que je présente, donc il y a des entreprises qui me contactent. Ils me proposent de présenter leurs produits, etc. Et oui, je fais des vidéos de tout ça. Alors, qu'est-ce que tu la présentes comment, cette box? Parce que c'est une nouveauté aussi, ce truc-là? Alors, oui, globalement, c'est une nouveauté. Dans le monde de la vape, elle est là depuis pas trop longtemps. Je la teste pendant 1 semaine, hors caméra. Et dès que je commence à connaître les points faibles et les points forts de cette box, parce que je dis aussi les points faibles, évidemment,
bah, je fais la vidéo. Et du coup, t'arrives à choper du matos gratos quand c'est comme ça ou pas? Non mais parce que c'est ce que les youtubeurs se posent ce genre de questions en général, c'est-à-dire quand t'arrives à un certain nombre de followers, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, des fois avec les marques t'arrives à dealer du matos pour les présenter sur ta chaîne. Alors oui, oui, ouais, ouais. Tu fais un peu ça pour ça aussi. Bon, ouais, il y a un peu ça aussi derrière, mais pas totalement. C'est moi ce que j'adore, c'est la communication qu'on peut avoir entre bah, du coup sa communauté à qui on parle, à qui on conseille du matériel. Ça, c'est globalement ce que j'adore. Donc oui, j'arrive et je le cache pas, même quand je suis en live sur internet, je le cache pas, je reçois le produit gratuitement, mais c'est pas pour ça que je dirais ce produit est très bien, achetez-le. Ah non, mais c'est pas du tout ce que j'étais en train de dire, non, évidemment. Oui, je sais bien, mais oui, je peux le dire, oui, j'ai des box que je reçois gratuitement, des atomiseurs, des e-liquides, je reçois gratuitement. J'achète aussi, c'est pas pour ça que je continue pas à acheter mon propre matériel, mais oui, il y a des entreprises qui peuvent me contacter et me dire voilà, on t'envoie ça, 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 et t'en fais une revue. Et donc on te suit sur Mava Pendai, sur YouTube, Théo, tu tournes à combien de vidéos par semaine à peu près? Alors, par semaine, ça dépend de mon travail, parce que je suis vendeur dans la vraie vie, et ça dépend, ça peut être 3 vidéos par semaine, comme une ou deux vidéos. Ta dernière vidéo, elle parlait de quoi? C'était le vlog, donc c'était mon arrivée à l'hôtel parce que je me suis trompé d'hôtel, je me suis trompé de chambre, j'étais dans la chambre d'un inconnu. Donc voilà, c'était un condensé du vlog de la Vape Expo que je voulais partager aux personnes pour dire voilà, la Vape Expo commence très très bien, je suis pas dans le bon hôtel. Parce que t'habites où toi à la base? T'es pas de Paris? Non, je suis pas du tout de Paris, je suis lillois. Donc tous ceux qui me suivent sur ma chaîne savent que je suis lillois à l'origine, mais je réside à côté de Lille. Je donne pas ma vraie adresse. Malgré qu'il y a déjà des personnes qui ont réussi à choper mon adresse. Dans la métropole lilloise donc. Voilà. Très bien, et là t'es venu exprès juste pour la Vape Expo. Juste pour la Vape Expo, pour travailler aussi avec Liquideo et puis pour rencontrer des personnes, vous rencontrer vous les abonnés, rencontrer plein de personnes. Et sur Liquideo, là, sur le stand de Liquideo, est-ce que t'as goûté des trucs sympas que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous regardent là cet après-midi, aux personnes qui nous regardent en vidéo? Tu vas conseiller aussi peut-être sur ta chaîne YouTube dans de prochaines vidéos? Alors, ce que j'espère conseiller, c'est la revue, celle de vendredi 13. Tout ce qui globalise Halloween, il y a un mélange au niveau des légumes, un peu la citrouille, citron. Et ça, c'est ce que j'ai adoré. Il y a cette gamme-là que j'ai bien aimée parce qu'il y a plein de saveurs différentes. Et leur malaisienne aussi. Ouais, parce qu'il y a cette gamme hein, qui est présentée ici. C'est toute la gamme malaisienne de chez Liquideo, qui est une nouveauté aussi et qui est présentée sur le stand. Ça, t'as pu y goûter? Ouais, j'ai pu y goûter. On est quelques reviewers ici. Nous, on a pu accéder au stand un peu avant pour tester tous les liquides. Donc oui, ouais, la gamme malaisienne, qui est quand même assez sucré généralement, tout ce qui est Malaisie c'est sucré. Qui est très mise en avant ici d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'on est, dans un style, une ambiance un petit peu exotique ici sur le stand de Liquideo, c'est pour mettre en avant effectivement cette gamme malaisienne, Théo. Voilà, c'est tout à fait ça, et ouais, on a un super bon aspect, c'est fleuri, c'est convivial et ça donne vraiment envie de rentrer dans le stand. Et oui, la gamme malaisienne me donne envie, à l'occasion peut-être glisser un petit chèque pour qu'ils m'envoient tous les produits, mais ouais, globalement j'aimerais réellement présenter leur gamme parce que celle d'Halloween, elle est vraiment formidable pour moi. Celle aux formes de cannabis, bon, ça peut passer, mais sans plus. Et la malaisienne, oui, vraiment prometteuse. Très bien. Ouais, parce qu'effectivement, ils fabriquent directement cette gamme en Malaisie. Puis après, tout ce qui est Halloween, c'est également une nouveauté qui est fabriquée dans leurs usines ici en France. Merci Théo, en tous les cas, d'être venu nous dire un petit mot devant les caméras sur cette Vape Expo édition 2017 sur ce stand Liquideo. Je te dis merci. Pas de soucis, c'est moi qui te remercie. On se retrouve tout à l'heure, on va faire des tests avec toi aussi. Hein. Pas de soucis.